See ya. C'est vraiment le choc dans cette compétition auquel on va assister. On peut s'attendre à vraiment un gros match entre ces deux équipes. Bonjour, merci d'être avec nous pour suivre ce match. J'espère que vous êtes bien au chaud chez vous, parce que nous, on n'est pas vraiment au chaud. Oui, les conditions sont loin d'être idéales pour un match de foot, et puis même pour nous, les joueurs essaient quand même de développer un peu de jeu, et moi j'ai froid. Froid polaire, aujourd'hui, sur le stade. Et j'ai froid. On devrait assister aujourd'hui à un match où l'intensité sera au rendez-vous, et il s'agit quand même d'un derby. L'équipe locale qui est donc la meilleure à domicile cette saison. C'est un élément important dans ce match, c'est une équipe très offensive, toujours bien pour le spectacle. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. Côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5-1. Dispositif ingrat pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon. Position d'équipe qui laisse penser que le pressing va être constant, que l'adversaire va avoir du mal à respirer dans ce match. Ouais, ceci dit, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est très possible. De nos jours, si tu ne cherches pas à récupérer le ballon rapidement, tu es vite en danger. Une formation qui va essayer de confirmer sa dernière victoire acquise à l'extérieur. Belle performance avec une victoire de 3-1 pour le match qui nous intéresse aujourd'hui. En revanche, je vois plutôt un nul. Coup de sifflet de l'arbitre, c'est parti. Et avec Lozano. Oui, la frappe. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Et il dégage. Jusqu'aussi Mirotte avec un tir. Oh, ça a frôlé la transversale. Le soleil. Yeray. Touré. Payet. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Ouais, donne de l'air à son équipe. Diotsop. Gauche Kossi Mirotte. Allez, il y a du monde au second poteau. Ouais, le centre dégagé du point par le gardien. En profondeur, oui, bien vu. Et l'action qui s'arrête déjà. Non, il n'y aura pas de carton. L'arbitre estime qu'on est certainement un peu trop tôt dans ce match pour commencer à sévir. Il s'en sort bien avec ce simple petit sermon de l'arbitre. Oui, attention à ne pas trop provoquer l'arbitre maintenant. Paul José Mpoku. Oui, ils sont plusieurs. Ça peut aller au bout. Il prend sa chance. C'est sans problème pour le gardien. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Ah ouais, c'est bien fait ça. Ouais, la passe en profondeur. Ouais, parfait, parfait ce tacle. Ça pouvait vraiment faire but derrière. Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre.
Oh, mauvais endroit pour commettre une faute. Ça va donner un bon coup franc. On revoit cette faute sur ce tacle glissé. On revoit ce tacle glissé. La faute est nette. Hein. Oh, ça passe pas loin du tout. À quelques centimètres, il n'a pas réussi à doser son ballon comme il l'aurait souhaité. Finalement, c'est mal jugé. Et ce coup franc passe au-dessus de la barre. Ce gardien un peu soufflé parce que c'était quand même une belle occasion de but pour le tireur. Payet. Collins fait. Gauche Cossi mirote. Le tir. Elle frappe contrée par le défenseur. Et avec Lozano. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Le long de la ligne de touche. Ce ballon qui n'est pas donné au bon moment, on le voit sur ce ralenti, mais bon, il n'y a pas en jeu de 15 mètres non plus. Hein. Rafael Guerreiro. Ah oui, la transversale, magnifique. Au soleil, on écarte le jeu. Il faut qu'il centre maintenant. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Yeray, Blaise Matuidi. Au soleil, Matuidi. Et avec Lozano. Allez, il y a du monde pour reprendre et on a dégagé pour écarter le danger. Francis Coquelin, il prend la frappe. Oh, le poteau, le ballon qui revient en jeu. Ah oui, la bonne passe. Collins fait. Gauche Cossi mirote. Alors je rappelle l'un des faits quand même importants de ce match, c'est quand même la neige qui tombe. Hein. C'est des conditions un peu particulières pour tout le monde, mais pour l'arbitre, rien n'empêche de disputer cette rencontre. Et la frappe. Le ballon est bien sorti, ce sera un corner. On a bien tiré au niveau du point de pénalty. Ouais, sans prendre de risque, il a dégagé ce ballon très loin. Oh, le centre peut-être. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Ouais, corner, ce ballon a été touché par le défenseur. Corner. Corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Le dégagement pour éloigner le danger. Gauche Cossi mirote. Est-ce qu'il va centrer? Dimitri Payet. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Oh, le grand danger. Oh là 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 là, il pouvait ouvrir le score là-dessus. C'est pourtant une belle occasion. Peut-être trop belle même. Avec Lozano.
Ouais, la faute était évidente et l'arbitre siffle coup franc. Yeray. Il va pouvoir centrer. Il perd le ballon. Constantinos Laïfis. Diotsop. Gojko Simirot. Les 30 derniers mètres. Et avec Lozano, il n'y a pas beaucoup d'espace. Hein. Oh là là, glissade dans la neige. Ah, il y va à fond. Hein. Paul José Mpoku choisit la frappe. Oh oui, la belle intervention du gardien. L'arbitre qui indique le poteau de corner. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Le gardien qui s'interpose sur cette tête. L'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match où les buts manquent cruellement, hein, 0-0 pour le moment. L'équipe à domicile accrochée par son adversaire à la pause. On a vu une équipe moins efficace que d'habitude. Rien de marqué pour l'instant, mais il reste encore une mi-temps pour le faire. Coup de sifflet de l'arbitre, c'est parti. Gojko Simirot avec un tir. Oh, ça a frôlé la transversale. Oh, ça passe pas loin du tout. Ouais, à quelques centimètres, il n'a pas réussi à doser son ballon comme il l'aurait souhaité. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Oh, le grand danger. Oh là 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 là, il pouvait ouvrir le score là-dessus. C'est pourtant une belle occasion. Peut-être trop belle même. Paul José Mpoku choisit la frappe. Oh oui, la belle intervention du gardien. L'arbitre est prêt, les 22 joueurs également. Et ça repart à l'instant. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Ah oui, le tir ! Et le ballon dans les bras du gardien. Dimitri Payet. Ah, elle a lutté après pour reprendre ce ballon. Gojko Simirot. Louis Ndama. Paul José Mpoku. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. La frappe. Ouais, la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras. Non, elle est interceptée cette passe. Allez, le centre à venir. Ouais, bonne intervention, hein, des défenseurs loin devant. Oh non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Il fait opposition avec son corps pour protéger la balle. Coquelin.
Dimitri Payet. La frappe. Oh, le joli plongeon pour rassurer tout le monde. Ouais, c'était pas la peine de forcer là-dessus, mais bon, faut y aller quand même. Les dernières consignes de l'entraîneur du Standard avant un changement. On va voir si ça change quelque chose au score ou à la physionomie du match. Voilà, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Ouais, ça en est au-dessus. Oh, une belle frappe, mais qui manque de peu le cadre. C'était osé, mais ça a failli payer. Ah, il y avait, c'est sûr, mieux à faire que de tirer de si loin. C'est bien d'avoir essayé quand même, si ça rentre, on crée au génie sur ce genre d'action. Faut pas trop lui en vouloir. Constantinos Laïfis, Gojkovski Mirot. On écarte le jeu. Va-t-il parvenir à centrer? On voit ralentir cette grosse occasion. Le ballon qui change de position. Allez, qui va reprendre ce ballon. Coquelin en profondeur, oui, bien vu. La passe en profondeur. Ouais, dégagez ce ballon. C'était une belle occasion, le danger est éloigné. L'entraîneur décide de faire rentrer deux joueurs simultanément, deux nouveaux joueurs en même temps. Oh, le défenseur qui a perdu le duel. Il s'est traversé par partenaire. Le dégagement pour éloigner le danger. Et ce ballon qui est perdu. Ouais, l'arbitre qui intervient. Ce sera un coup franc. Avertissement sans frais. Hein, finalement, il s'en sort bien. Hein. Si tu veux mon avis, l'arbitre a dû être extrêmement clair avec lui. Hein. Il y a un bon coup à jouer sur ce coup franc. En jouant dans la surface, ce sera un... Oh, il passe pas loin du tout ce coup franc. Ouais, à cette distance, c'est déjà un exploit. Hein. Le ballon file au-dessus. Le gardien semblait de toute façon sur la trajectoire. Ce coup franc qui est trop enlevé. Ah, la bonne qualité de ses passes. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente. On voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. Oui, ça circule bien. Et quand... De Jotsop vient buter sur le gardien qui était bien resté vigilant. Ah, il bascule sur l'aile histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Ouais, danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Yarin Lozano. Oh, l'ouverture du score! L'ouverture du score! Oh, elle se sera fait attendre dans ce match. Le compteur qui est enfin ouvert, Pierre. Ouais, on aurait pu en voir quelques autres, mais jusqu'ici, les défenses ont pris le dessus sur les attaques. Ça explique cela. Et forcément, de cette distance, c'est tout de suite plus facile. Oui, ça va trop vite. C'est trop près pour le gardien qui peut rien faire. Le but encore, mais sous un autre angle. Cette fois-ci... C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Gojkovski Mirot, les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Paul-José Mpoku.
même s'il n'est pas super bien placé ce coup franc, il faut qu'il arrive à mettre ce ballon dans la surface. Ah oui, il y est. Pas avoir fait le plus dur, ils encaissent un but juste après avoir marqué. Le défenseur qui sait aussi se transformer en buteur. Il faut dire que c'est quand même quelque chose dont on a l'habitude maintenant. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Gojko Simirot, Lukiewicz. Il intercepte. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Attention le tir. Oh, ça frôle le cadre. Il n'a pas voulu la jouer en force, il aurait peut-être dû. Plus que 9 minutes à jouer dans cette rencontre. Ouais, un bon ballon d'attaque. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Paul José Mpoku. Idéalement placé là pour le centre. Il aurait aimé offrir la victoire à son équipe, mais le gardien a été vraiment décisif. Oui, grâce à un arrêt exceptionnel digne d'un gardien de hand. Vraiment, c'est bien joué. Un corner adressé au niveau du point de pénalité. Oh, à côté ! Oh, il l'a mis à côté ! Oh non, c'est pas possible ! Ouais. Enfin, ceci dit, ça s'est pas joué à grand-chose. Hein. C'est finalement un ballon perdu. Diotsop. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Ah, il pousse dans les dernières minutes. Il y a la victoire au bout de cet acte. Allez, l'occasion peut-être de mener. Eh oui ! Eh oui, monsieur ! Le but ! Ouais, le but est surtout un avantage à préserver jusqu'au bout, si possible. Avec ces images, vous allez pouvoir vous faire une autre idée de ce but. Le gardien pensait avoir fait le plus dur, mais le joueur a bien suivi l'action. C'est un but plein d'opportunisme. Et si c'était le but de la victoire, Pierre, tout simplement? Ah, ça y ressemble bien, Hervé. Hein, il reste plus beaucoup de temps. C'est sûr qu'ils ont choisi le meilleur moment pour placer cette accélération. Dernière chance pour égaliser. Ils n'ont plus le choix. Il s'est traversé ses partenaires. Oh là 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 là, il y avait mieux à faire avec un ballon pareil. Ah, tu m'étonnes qu'il y avait mieux à faire. Ouais, carton jaune hein, qui est arrivé de façon un petit peu tardive. Ouais, on sent que l'arbitre a hésité. Allez, dernier dégagement pour essayer d'aller trouver un partenaire devant. Ouais, on voit le gardien qui fait signe de monter, il va y avoir du monde à la retomber. Gojko Simirot, Lukiewicz. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Voilà, c'est terminé à l'instant. L'arbitre qui vient de siffler la fin. Bon, on avait peur au début du match que les conditions météo ne viennent gâcher le spectacle. Eh bien, ça n'a pas été le cas du tout. Et les joueurs s'imposent sur leur pelouse. Deux buts, trois points, c'est propre, c'est net. Allez, prochain match. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Oh, le grand danger. Oh là 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 là, il pouvait ouvrir le score là-dessus. C'est pourtant une belle occasion. Peut-être trop belle même. On a bien donné ce ballon, mais le danger est écarté.
Ouais, sans doute. Oh, une belle frappe, mais qui manque de peu le cadre. C'était osé, mais ça a failli payer. Yarin Lozano. Oh, l'ouverture du score. L'ouverture du score. Oh, elle se sera fait attendre dans ce match. Le compteur qui est... Même s'il n'est pas super bien placé, ce coup franc, faut qu'il arrive à mettre ce ballon dans la surface. Ah oui, il y est. Pense avoir fait le plus dur, ils encaissent un but juste après avoir marqué. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Attention le tir. Oh, ça frôle le cadre. Il n'a pas voulu la jouer en force, il aurait peut-être dû. Idéalement placé là pour le centre. Ah, il aurait aimé offrir la victoire à son équipe, mais le gardien a été vraiment décisif. Oui, grâce à un arrêt exceptionnel digne d'un gardien de hand. Vraiment, c'est bien joué. Ah, il pousse dans les dernières minutes. Il y a la l'occasion peut-être de mener. Eh oui, monsieur, le but. Ouais, le but est surtout un avantage à préserver jusqu'au bout, si possible.